Et donc, rebonjour à tous, c'est Madio9 et on se retrouve pour le troisième épisode, toujours pour la moisson. C'est parti. Oui, ok. C'est parti. Donc, on va voir combien de temps ça va durer. Donc, bien sûr, je pense qu'il va bientôt terminer ce champ. Après, il restera deux champs de colza, deux champs d'orge, deux champs de millet, deux champs de soja. Il y a le blé vert aussi, je crois. Ceci est bientôt fini. Ceci est bloqué. On va le débloquer. Parce qu'il nous bloque tout à l'arrière, bien sûr. Tiens, il y en a un qui est bloqué aussi. Ah, je gère, je gère, je gère. C'est presque. Normalement, la machine attend que celui-ci parte un peu plus loin. On reste quoi ici? Il reste un passage en fait. Non. Là, la moitié d'un passage plus. Passage entier, c'est rare. Celui-ci va se mettre. Il va aller vider la machine bientôt. Celui-ci va aller se vider. Il va derrière la machine normalement. Non, il vient d'aller vider la machine. Donc celui-ci. Donc à savoir que j'ai modifié le porte-coupe pour qu'en fait il y ait un point d'attache. Qu'en fait le point d'attache de la coupe par rapport à la moissonneuse normalement, et ben ça soit attaché pareil pour le porte-coupe. C'est pour ça qu'il y a un qui n'est pas tombé et l'autre est tombé. Parce que j'ai pas bien mis l'autre. Donc lui attend, lui est parti vider. Lui revient au champ. Ici il n'y a personne. Démarrer. Allez, va. On va te vider. Parce que je vois que t'es plein, mon gars.
Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que ceux-ci partent. J'adore la marche arrière là-dessus. Deux qui vont se percuter. Bon, vu qu'il est programmé par la machine, hein, je vais le mettre. Allez, vas-y. Lui, il va aller se vider tout de suite. Hein. Hop. Attends, laisse-moi passer aussi. Pourquoi il fait ça? Pour l'instant j'ai pas sa chose donc c'est pas grave. C'est bon, il revient au champ. Et elle continue. Lui va se vider. Je vais laisser passer les deux autres. Parce que sinon on va être bloqué après. Et ceux-là, je les ai pas aidés tout à l'heure. Ils sont débloqués tout seuls en fait. Ah, bah c'est bon, la fermentation est terminée, c'est pour ça. Et du coup, ils passent plus facilement. Allez, toi. Bon, faut le mettre directement à se faire. Allez, partir vers là-bas plutôt. Ça ira plus vite. Voilà. Oui, ok. Qu'est-ce qu'ils sont énervants tout cela. Plus ils sont en scouille. Nani. C'est bon, il n'y aura pas. Bah maintenant ils passent tous dans l'eau. Bah j'espère. Non.
ici. Mais l'intérêt me laissait passer sur. Mais. Non, mais tant pis. Voilà, je la laisse passer. Allez, vas-y, bonne idée. Ça, c'est bientôt fini. J'espère que j'ai de la place derrière moi. Oui, ils vont attendre. Mais forcément ils arrivent tous. Il n'y a que l'ancien qui. Ceux de l'ancien qui passeront plus. Enfin, qui passeront pas du moins. Allez bon. On avance. Oh la vache, oh les sauts de merde. Donc on va pousser celui-ci. Mais la vitesse ne marche rien, voyons. Allez. Alors ceux qui sont vides, ils arrivent à passer nickel, par contre, mais ceux qui sont remplis dans le siège. Il pense pas du tout. Allez, non. Bon, là, c'est bon. Hop. Je vais ranger mon tracteur ici et le préparer. Donc celui-ci va se vider. Celui-ci pareil, celui-ci pareil. Donc du coup on se retrouve pour le quatrième épisode, hein, le dernier de la session. Donc on se dit à tout de suite.